C'est une épreuve qui en effraie déjà beaucoup, rien qu'à l'idée d'y penser. Pour le grand oral, les lycéens présenteront au jury deux questions liées à leur spécialité préparée pendant l'année. Le jury choisira l'une des deux questions et voici comment se déroulera l'épreuve. Dans un premier temps, le candidat prépare son intervention pendant 20 minutes. Puis, debout et sans notes devant le jury, le lycéen devra présenter la question et y répondre pendant 5 minutes. S'ensuivront un échange et une argumentation avec le jury pendant 10 autres minutes où le candidat pourra décider de s'asseoir, avant de conclure par un échange sur le projet d'orientation du candidat. Une présentation devant deux professeurs venant d'un autre lycée, dont l'un enseigne une des spécialités de l'élève. Destiné à évaluer l'éloquence des candidats, la note du grand oral comptera pour 10% de la note finale en voie générale et 14% en voie technologique. Alors, si vous êtes déjà stressé, un seul conseil, commencez à vous entraîner.